Bonjour YouTube, comment ça va? On te pose jamais la question, mais j'espère que tu vas bien YouTube. Aujourd'hui, vidéo avec Monsieur Trickster, ça fait longtemps, autour d'une perque en particulier qui est arrivée avec le Xeno. Donc comme d'hab, on va commencer avec les petits add-ons. Meurtre mélodieux qui va faire en sorte qu'on recharge plus vite les lames dans les casiers, couplé au soda qui fait en sorte que la cadence de tir maximale est atteinte plus rapidement. Vous savez que Trickster, ça a monté crescendo hein, son rythme des lancers de kunai. Et donc cet accessoire permet d'atteindre cette cadence plus rapidement. Donc, la paire qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est arme ultime. Lorsqu'on va accrocher un survivant, la compétence s'active. Et lorsqu'on va fouiller un casier, pendant 30 secondes qui suivent cette ouverture de casier, les survivants qui pénètrent dans mon rayon de terreur, ou alors si je les fais rentrer dans mon rayon de terreur, se mettent à hurler, révèlent où ils sont. Et derrière, pendant 30 secondes, ils ne sont pas à découvert comme c'est écrit sur notre traduction en français, mais ils passent en statut aveuglement. Et puis la compétence se désactive. Donc voilà. C'est plutôt sympathique avec Trickster ou la chasseuse par exemple. On va les recharger dans les casiers. Donc la perque elle va se coupler parfaitement avec ça. On met une petite perque pour ralentir un peu la game. On met un pass. Donc vous savez, hein, un gène se fait. Le deuxième gène le plus avancé à ce moment-là se bloque pendant 30 secondes. On met ensuite Ténébreux révélés. Compétence du dragage qui fait que lorsqu'on fouille un casier, l'aura de tous les survivants dans un rayon de 8 mètres autour des casiers sont révélées pendant 5 secondes. Ça se couple avec arme ultime et ça va se coupler avec Vierge de Fer, la dernière compétence, compétence de Légion, qui fait qu'on ouvre les casiers plus vite et qui a un petit effet aussi rigolo. Si les survivants vont se cacher dans les casiers et qu'ils en ressortent, ils sont en statut à découvert pendant 30 secondes et on sait où ils sont pendant 4 secondes. Voilà. Donc je me dis qu'il y a peut-être une petite synergie à faire, sachant que Trickster, il a tendance à les recharger comme la Huntress dans les casiers. Je pense que d'ailleurs ce build pour Huntress, pourquoi pas, tu vois, faudrait tester. Mais on va aller tester ça, ok? Allez, vamos. Ouh, le commissariat, ok. Oh, qu'il est beau! Qu'il est beau! En plus, avec ce skin, vous savez, maintenant, il y a une petite clochette. Ça grelotte. J'ai presque envie d'ouvrir un casier tout de suite, genre. Prendre une info. Zéro info. Oh, mais si! Donc, arme ultime, là, nous a aidé. Oh, ce qu'on a mis. Il y a pas mal du tout. Arrête! Premier gène est parti si vite! What the fuck? Oh la vitesse de recharge! What the fuck? Parce que là, ce qui influe sur la vitesse de recharge, du coup, les amis, c'est Vierge de Fer évidemment, mais notre add-on vert aussi. Irena Roscoe. Coucou Elior, ça va et toi? What the fuck? Mais attends, Jake, je peux le toucher au-dessus mais pas Zarina du coup? Mais oui, c'est ça. Non! Un couteau près! Il est pas allé à droite sur la palette. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas sur la palette, c'est incroyable. Merci Zarina, bro. Merci, bro. Mais arrêtez. Ça suffit, ça. On change.
Alors, je pensais que quand il parlait de révéler, je pensais que ça montrerait l'aura, mais... Non, c'est juste ça les fait crier et puis c'est tout, quoi. Ok. Bon, j'aime bien le fonctionnement de la perque, j'avoue. Enfin, mais c'est quoi ce bordel? Et en plus, la confidentielle. Pourquoi il reste sur moi? Je comprends pas. Il y a des traces partout, je sais pas, il y a deux arinas. Je suis perdu. Ça va, première rentrée de ma fille, donc c'est un grand jour. Ah, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Est-ce que tu as fait comme tous les parents et tu as pris une photo de ton enfant? Obligé, non? Ah, mon dieu. Non! What the fuck? Oh vraiment, hey, je vais chialer. Je vais pleurer IRL. On charge. Oh, la vitesse de recharge, c'est quand même un délire. C'est quand même un giga délire. Les fameuses photos de toi tout nu dans le bain. Quoi? Je crois que revenons au jeu, s'il te plaît, là. T'es déconcentré, j'ai l'impression. Ça sert à rien de lancer ici le main event. Ici. Ou ici, on peut le mettre là. Yeah. Putain, mais what? Quelle idée! Bah ouais, mais j'y peux rien, moi je crois que c'est pas moi qui t'ai pris en photo! C'est dégueulasse! Je me brine tout seul. Ok. Si elle me l'avait fait au dernier moment, ça aurait pu être incroyable. Pour eux, je veux dire, pas pour moi, hein, évidemment. Pour moi, ça aurait été moins drôle. Okay. On se débrouille bien, hein, on a un bon build pour la map au final. Hein. C'est pas mal du tout. Jake juste là. Oh mon dieu. Dommage. À une lame près. Oh le bébou. Oh.
D'accord. Ok. J'aurais dû mettre un Mori, je pense jamais. Un petit Mori là. Sans envoyer du pâté là. On se voilait avec la perque. Plus la perque du casier. Incroyable. Je pleure. Je pleure des grosses larmes. Bien grasses. Oh oui. Oh oui. Oh oui. En fait, j'ai séché mes larmes, je rigolais. Impeccable! Je suis content! Ah, il fait plaisir celle-là! Et coucou, Papy Norgle! Ah, mais t'étais dans la game! Ah, mais oui, un petit Papy Norgle, effectivement! Bah, GG! T'as vu comment le cooldown est ultra court? Ouais, c'est intéressant! Ah, c'est pas mal, hein? Il y a une belle synergie entre les trois perks là. Avec un pass, c'est sympa parce que du coup, ça te fait gagner un petit peu de temps. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais. Non, je suis content là, c'est une belle game. On a fait des beaux trucs et tout. Ok. Nice. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à checker mes autres vidéos.